viens depuis toujours et je viens là quelquefois deux, trois fois par semaine, ça dépend. Alors la maison est présente depuis septembre 2001 et moi je suis arrivé en 2005, en septembre 2005. Depuis que je suis né. Je suis là depuis 2003. 2003, le temps d'avant, quand c'était mieux. 5 ans passés. C'est vraiment le lieu de la semaine où on peut trouver des bons aliments avec des commerçants qui font des choses sérieuses tous les jours. Parce que là, on est sûr de trouver ce qu'il faut en frais. C'est le primordial. Tout ce qu'il y a de plus fraîcheur et puis ce qu'il y a de plus qualitatif dans ce que c'est en fonction de la saisonnalité. Les commerçants sont très sympathiques, il y a de bons produits et puis voilà. Dans un endroit qui regroupe, on va dire, tous les métiers de corps, de bouche, où vous allez avoir énormément de qualitatif et de choix. Je préfère acheter ici que dans les grandes surfaces, parce que je sais qu'ici c'est plus frais, que là bah, c'est bien entretenu, qu'il n'y a pas de... Bah, c'est bien fait quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est presque dehors, on a un toit dessus, comme ça quand il pleut on n'est pas mouillé. Mais bien. Non, c'est agréable, ça a marché. C'est un groupe événementiel qui sollicite des cuisiniers de Rennes essentiellement, enfin des alentours de la région. Ils sont au nombre d'une quinzaine avec des food trucks également sur la place, donc la place est bloquée. Voilà, et puis à l'intérieur, chaque cuisinier fait un plat à déguster. Je ne suis jamais allé, mais je vais traverser le marché à manger, c'est beaucoup de monde, c'est 4 000 à 5 000 personnes. Donc ça doit certainement amener les gens un petit peu dans le centre et sortir du contexte et pour la première fois avoir un marché à manger dehors. Tout le monde se rejoint, il y a du monde. Et ça plaît à tout le monde. Ça apporte de l'attractivité, ça fait découvrir le bâtiment des Halles Centrales. Après, pour du commerce de détail primeur, les gens ne viennent pas pour acheter de quoi faire une soupe ce jour-là. On est sur un événement de préparation culinaire et de plats type brunch à consommer sur place. On n'est pas sur un événement où les gens viennent faire leurs courses. Pour moi, c'est pas bon, enfin, c'est de la basse qualité. Oh, en plus, d'accord. Évidemment, les petits pois, les haricots, je vais pas faire. Voilà, j'ai la peine de les éplucher, mais. C'est de la merde.